un raté. C'est comme ça que Patrick Suzan parle de lui. Comme d'un raté. Quoi qu'il ait tenté dans la vie, il a fini par tout louper. La coiffure ? Raté. La location de bateau ? Raté. Le bâtiment, la restauration, la vente ? Encore raté. Il se débrouille pour que toutes ses actions échouent. Même ses cambriolages ne menaient pas loin. C'est un petit reseller de bas quartier qui fait des petits coups à 2,50 francs. Un loser. C'est lui qui le dit. Qui a pourtant bien failli passer entre les mailles du filet. Parce qu'il en a fallu du travail, du flair, du temps et surtout des idées pour coincer un cambrioleur à la petite semaine qui est devenu un tueur. On est persuadés, tous, qu'on a eu affaire à un tueur en série. Si on ne l'avait pas arrêté, il aurait continué. Un couple de retraités, un bijoutier, exécutés tous les trois, de 3 balles chacun, en pleine tête. Quand les policiers et les gendarmes sont tombés sur lui au terme d'une double enquête remarquable, ils avaient encore du mal à y croire. On finit par se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un complice qui nous est caché dans cette histoire ? C'est aussi ce qu'a dit Usan pour sa défense. Comme si lui non plus ne se croyait pas capable de réussir un triple homicide en solo. Il fait un froid de canard ce 22 janvier 2011 dans le Val d'Oise, quand à 17h45, une patrouille de gendarmerie reçoit un appel radio. Nous sommes appelés pour aller faire une intervention à Saint-Vit dans le cadre d'une découverte de cadavre dans un domicile. La seule information donnée est qu'un proche de la famille aurait découvert un corps au rez-de-chaussée sans vie. 5 minutes plus tard, l'adjudant Ozias et ses 2 collègues retrouvent l'homme qui a donné l'alerte. Il a découvert le corps de sa voisine, Christiane Hick, chez elle, couché par terre, et du sang partout. On est en fin de journée, il fait très très sombre. Hein. J'ai un camarade qui progresse devant moi, armé de son taser. Je suis au centre de la colonne, arme à la main. Ma 3e collègue sécurise notre progression vers l'arrière, elle aussi arme à la main. On rentre potentiellement sur une scène de crime où l'auteur peut surgir à n'importe quel moment, où le cœur bat assez fort. Les gendarmes ne peuvent plus rien pour Madame Hick. Il y a une mare de sang au niveau de la tête. Mais où est passé Michel, le mari de Christiane ? La première idée qui nous passe par la tête, c'est peut-être un éventuel meurtre familial. Il se peut que le mari ait tué sa femme. On continue notre progression. C'est un pavillon assez cossu, il y a beaucoup de souvenirs de voyages amoncés au fil des années. Personne au rez-de-chaussée. Les gendarmes montent à l'étage. Et dans la chambre du couple. Un désordre sur le lit, des boîtes à bijoux vidées. Et là, on remarque le corps du mari, en fait, coincé entre le mur et le lit. Face vers le sol, une mare de sang autour de la tête. Le tueur a quitté les lieux. Quand on est jeune gendarme, on retranspose cette situation à notre univers familial. On peut se dire que ça peut être nos grands-parents morts dans cette maison, c'est marquant. Originaire de Belgique, Michel et Christiane Hick avaient 68 ans. Tous 2 retraités, ils avaient 3 enfants et 5 petits-enfants. La scène de crime est gelée et c'est la section de recherche de Versailles qui reprend l'enquête. Moi-même, qui suis un ancien technicien en investigation criminelle, je voulais appréhender cette scène, sentir l'ambiance en fin de compte. Et là, la scène est hallucinante. Dans le couloir où Christiane Hick gît à plat ventre, le mur est éclaboussé de sang, à 1 mètre de hauteur. Des traces maculent aussi le bas de la porte des toilettes. On peut supposer que
cette femme a tenté de fuir pour aller se réfugier dans les toilettes et qu'elle a reçu un premier impact dans le dos qui l'a probablement fait chuter et que l'auteur a tiré derrière sa tête. La porte d'entrée de la maison est verrouillée de l'intérieur. Le tueur a dû passer par la porte-fenêtre de la cuisine, la seule à être encore ouverte. Pas de traces de lutte au rez-de-chaussée. Un chausson d'homme traîne par terre, comme perdu en courant. Ils ont probablement été surpris au moment du repas. Il y a un plat de pâtes qui se trouve dans le micro-ondes. Et il y a une casserole avec des aliments qui est sur la plaque du four. À l'étage, voici le deuxième chausson, sur le lit. Et sous le lit, une carabine, à un mètre du corps de Michel Hick. On comprend que M. Hick était monté à l'étage très très rapidement pour tenter de se défendre de son agresseur. Il a tenté de se saisir de ce fusil, puisque la poussière qui était sous le lit a été balayée, comme si on avait fait un mouvement de bras pour essayer d'attraper le fusil. Les tiroirs de la chambre sont ouverts, des objets éparpillés partout. Madame Hick a été délestée de ses bijoux qu'elle portait en permanence, notamment une montre de luxe et une bague avec une pierre, un diamant. Visiblement, les cartes bancaires et les téléphones ont pris la même direction. Mais toutes les empreintes digitales et génétiques que les TIC, les techniciens en investigation criminelle, relèvent sont inconnues des fichiers. Quant au mode opératoire, on le devine avec la découverte de deux étuis de balles, un sous le corps de Christian Hick, un autre sous un meuble de l'étage. Le plus troublant pour nous, c'est qu'on a une double scène de crime avec plusieurs tirs d'armes à feu et qu'on ne retrouve que deux étuis. Manifestement, les autres étuis qui étaient visibles ont été ramassés par le tireur. Il a pris de très grandes précautions lors de la réalisation de ses actes. Ça nous fait penser à quelqu'un de méticuleux, peut-être expérimenté. Je m'imagine la scène, comme dans un film. Cet individu qui rentre armé, qui braque un couple de retraités. J'imagine ce couple en panique qui prend la fuite. Cet individu qui court derrière Madame Hick, qui tire une première fois, qui se rapproche à hauteur de sa tête, qui tire à nouveau. Après avoir abattu Madame Hick, l'auteur a poursuivi Monsieur Hick à l'étage et est arrivé juste avant qu'il se saisisse de son arme. Il l'a battu alors qu'il était au sol. Dominique, les corps des époux Hick sont autopsiés. Quelles sont les conclusions du légiste ? Ils ont reçu chacun 3 balles dans la tête, plus une dans le dos pour Christiane, qui lui a traversé le poumon droit, traversé le foie. Elle tournait le dos au tueur. Pourquoi ? Parce que toutes les balles ont une trajectoire de l'arrière vers l'avant. Elle a été tuée sur le coup. Le légiste parle d'un tir à courte distance. Son mari Michel a reçu 3 balles également, 2 derrière la tête, 1 dans la tempe droite. Des tirs, selon le légiste, qui ont une trajectoire du haut vers le bas. Le tueur tenait son arme comme ça. Vous avez bien dit 3 balles dans la tête, ouais, chacun. Ouais. C'est une exécution. C'est plutôt un geste de tueur professionnel. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il manque 5 étuis sur la scène de crime. Le tueur a emporté les douilles de ses balles. Il en a oublié 2. Il a dû les chercher. Est-ce que le légiste parvient à dater les crimes ? Le légiste dit 24 heures avant la découverte des corps, les bols alimentaires contenus de l'estomac sont quasiment vides. Les époux se préparaient à passer à table. À quelle arme correspondent les deux étuis, les deux douilles qui ont été retrouvées par les TIC ? Alors, les deux douilles qui sont retrouvées, plus les balles qui sont extraites des corps des victimes, sont de calibre 22 long rifle. Elles ont été tirées par un pistolet automatique de marque Walther, modèle P22. Un Walther P22. 22 long rifle, c'est une munition très courante, très répandue en France. C'était la munition qui était utilisée dans les fêtes foraines. C'est un pistolet de ce type. Hein. Un pistolet de ce type. Les tueurs professionnels adorent ça parce que c'est tellement répandu que c'est difficile à remonter.
problème, c'est que ça n'a pas de puissance d'impact. Mais un tueur pro s'en fiche parce qu'il va compenser le manque de puissance de la munition par la précision de son tir. La difficulté pour les gendarmes, c'est que la liste de ces détenteurs d'armes, elle est longue comme le bras. 246 dans le Val-d'Oise et les départements limitrophes. Propriétaires légaux, armes déclarées. Les gendarmes vont vérifier, aucune de ces armes ne correspond à l'arme du crime. Et puis il y a un autre problème, Christophe, c'est que dans les années 2005-2010, 1 000 000 environ de ces armes, des Walther P22, ont été importées illégalement des pays de l'Est. Et ils sont toujours en circulation. Dès le lendemain du double meurtre, 40 gendarmes s'installent à Saint-Vitz. On regarde partout, dans les haies, dans les jardins. On cherche une arme, on cherche tout ce qui pourrait nous apporter des informations sur ce qui s'est passé dans la maison des Hic. Au fond d'un étang, à 100 mètres de la maison, la pêche est bonne. Deux armes ont été jetées à l'eau. J'arrive sur les lieux plein d'espoir, effectivement. Je vois immédiatement qu'il s'agit d'un revolver et d'un pistolet automatique, mais nous savons que nous recherchons un 22 long rifle. Ce n'est pas le calibre que nous recherchons. Ce n'est donc pas les bonnes armes qui ont tué le couple Hic. Pendant 3 jours, les gendarmes ratissent le quartier. Les gens sont à leurs fenêtres, ils attendent. Donc, quand on arrive chez eux, le café est déjà prêt. Et on parle avec les gens, on discute, on essaie de savoir s'ils ont entendu quelque chose. Ce qui nous interroge, c'est que personne n'a rien vu, personne n'a entendu. 7 coups de feu ont été tirés dans cette habitation. Les voisins proches n'ont rien entendu. On est effectivement face à un fantôme. Les gens sont très surpris. Certains ont peur parce que le domaine de Montmélian, c'est un coin très calme. Il s'y passe jamais rien. Les gens se connaissent de vue. On sait qui est la voiture de qui. On a l'impression d'être épié. Quand on est à l'intérieur de chez nous, on se demande s'il n'y a pas quelqu'un à l'extérieur qui nous voit et qui va rentrer et qui va nous tuer. J'étais l'une des dernières personnes à avoir vu Christiane avant le meurtre. Nous nous sommes rencontrés le matin et quelques jours auparavant, nous avons joué au tennis ensemble. Christiane était tout à fait normale, comme d'habitude, souriante, gaie. Il n'y avait rien de suspicieux, absolument rien. Tout le monde dresse le même portrait du couple. C'était des gens qui étaient appréciés de leur entourage, appréciés des voisins, puisqu'ils participaient à la vie de cette commune. Christiane était un petit bout de femme qui débordait d'énergie, toujours très apprêtée, maquillée. C'était un soleil. Elle avait le regard pétillant, des yeux rieurs. Et on avait l'impression qu'elle allait toujours vous sortir une blague. Une femme d'une gentillesse incroyable. Elle débordait d'amour pour ses petits-enfants. Voilà. Monsieur Hic, quant à lui, était un peu plus discret, un peu plus renfermé. Un passionné d'informatique, quelqu'un qui aimait le bon vin, qui aimait la culture, qui était passionné par les tapis d'Orient, par exemple. Les enfants des couples Hic sont évidemment effondrés, prostrés. Ils perdent en même temps les deux parents de manière extrêmement brutale. Et c'est quelque chose qui, pour eux, est incompréhensible. Quelques jours plus tard, des dizaines de personnes rejoignent la petite église de Saint-Vitz pour les funérailles du couple. Dans l'assistance, quelques gendarmes, incognito. Je suis
dans ce qu'on appelle le sous-marin. C'est un véhicule qui est stationné discrètement. Et je suis derrière des vitres sans teint et je photographie tout le monde. Bien des fois, l'auteur du crime se joint aux obsèques. Certains auteurs aiment voir le résultat de leur action. Ils aiment peut-être ressentir aussi cette peine qu'ils ont pu créer au sein des familles. Mais des centaines de photos plus tard, toujours pas de suspect. Le 26 janvier 2011, 4 jours après le double crime, une information judiciaire est ouverte pour meurtre concomitant et vol avec violence ayant entraîné la mort. 12 gendarmes vont désormais travailler à temps plein au sein d'une cellule spéciale sur le mystère de Saint-Vitz. C'est beaucoup d'enquêteurs qui sont sur le terrain au quotidien. Ce sont des heures à n'en plus finir, de jour, de nuit. Pour commencer, les gendarmes vont tenter de remonter au tueur à partir des objets volés. Un des moyens les plus simples pour les voleurs et les receleurs de revendre, c'est de les mettre sur des sites d'annonces. J'ai plusieurs enquêteurs qui ont épluché pendant des mois et des mois, des dizaines, des centaines, des milliers d'annonces de vente de bijoux, principalement des montres de luxe comme celle identique à Madame Hick. 3 annonces attirent leur attention. Les vendeurs sont interrogés, un par un. Mais d'après les numéros de série, ces montres ne correspondent pas à celles de Madame Hick. Les enquêteurs tirent donc un autre fil. Celui des tapis d'Orient dont la maison des Hick est remplie. Car quelques semaines avant leur mort, le couple a été démarché par un représentant dont l'un des associés est, disons-le, un voleur. Il est connu de la justice. Il est connu pour des escroqueries au préjudice des personnes âgées. C'est un petit escroc qui s'entoure de complices pour escroquer les gens en leur vendant des tapis à des prix exorbitants mais qui ne valent rien. On va le prendre en filature dans tous ses déplacements. Des équipes d'enquêteurs vont être très régulièrement au plus près de lui et le suivre jour et nuit. Tandis que des gendarmes tentent de faire décoller la piste du tapis, d'autres s'activent sur celle d'un cambriolage commis à Saint-Vitz en 94. Curieusement, Michel Hick avait gardé 2 coupures de journaux sur cette affaire dans le tiroir de sa table de nuit. Un individu a cambriolé une maison située non loin des époux Hick. La propriétaire est tombée sur cet individu et il l'a tué de manière très violente. Le tueur a passé 17 ans dans un hôpital psychiatrique, mais quand les Hick ont été tués, il était dehors. Est-ce que cet individu ne serait pas revenu commettre ce même type de fait dans le même quartier qu'il a connu ? Lui aussi, les gendarmes le prennent en filature. Ils le convoquent, perquisitionnent sa maison. On s'aperçoit rapidement que c'est quelqu'un de malade, quelqu'un au plan psychiatrique qui est faible, qui serait incapable de ramasser les douilles et de partir sans même laisser de traces. La piste s'effiloche, comme celle du tapis d'ailleurs. Mais une autre surgit. Un curieux email commence à circuler dans Saint-Vitz. Son auteur prétend avoir découvert le mobile du double meurtre. C'est un règlement de compte. En pièce jointe, le corbeau ajoute un document étonnant. Daté de janvier 2007, 4 ans avant les meurtres, un courrier signé Michel Hick. Une lettre dans laquelle le retraité explique qu'il était porteur de valises à Madagascar, autrement dit, passeur de pots de vin. Il y dévoile des dizaines d'affaires de corruption et d'achats de faveurs. Et surtout, il affirme qu'il a peur pour sa propre vie. On parlait de sommes colossales, dignes peut-être d'un film d'espionnage, effectivement.
Les premières questions qu'on s'est posées en retravaillant sur le passé de Michel Hic, c'est est-ce que dans les années antérieures, est-ce qu'il n'avait pas une double vie? Est-ce que c'est pas un contrat que l'on avait mis sur la tête de Michel Hic? Je rappelle que nos victimes ont été tuées de 3 balles dans la tête. Il y a des noms dans cette lettre de patrons, de clients, de ministres. Les gendarmes mènent l'enquête jusqu'à La Réunion. Pour découvrir que le porteur de valise est toujours vivant, c'est bien Michel Hic, mais pas le même. Nous étions sur un parfait homonyme qui nous a fait dépenser de l'énergie puisque nous avons créé une nouvelle piste de travail. On a perdu du temps. Toutes les pistes qui se sont offertes à nous ont été exploitées. On n'a plus de grain à moudre en fin de compte. Les enfants du couple Hic, ils ont envie que ça aille beaucoup plus vite. Pour eux, comme on n'a pas trouvé le coupable tout de suite, eh ben, on laisse les choses en l'état et il n'y aura jamais de réponse à leur question de savoir qui a tué leurs deux parents. Cette instruction est aussi un calvaire. C'est une affaire très différente qui va finalement réveiller le dossier. Le 13 avril 2011, 3 mois après le meurtre de Christiane et Michel Hic, à 30 km de là, en plein Paris, il est 14h45. Un équipage de la BAC reçoit un appel radio. On nous fait savoir qu'une bijouterie située au boulevard des Batignolles était victime d'un braquage et que le bijoutier aurait été retrouvé inanimé au sol, baignant dans son sang. On peut voir au travers de la vitrine que l'auteur n'est plus là. Et on voit deux dames donc assises à l'intérieur, dont l'une en pleurs. Cette dame, c'est la femme du bijoutier. C'est elle qui, quelques minutes plus tôt, a retrouvé son mari, Serge Zénou, inanimé dans l'arrière-boutique. Je vois donc le corps du bijoutier à même le sol, allongé sur le ventre et gisant dans une mare de sang. Et je vois effectivement une blessure assez profonde au niveau de la tête. Plusieurs écrins à bijoux sont éparpillés autour du corps. Deux coffres-forts sont ouverts et complètement vides. Très clairement, ça me fait penser à un vol à main armée, quoi, et qui pour le coup a très mal tourné. À Paris, à présent, un bijoutier a été retrouvé mort cet après-midi dans sa boutique. Il semble avoir été tué au cours d'un braquage. Les spécialistes en braquage de bijouterie de la BRB se saisissent de l'enquête. On arrive, il y a une ambiance assez pesante. La famille est en pleurs, les enfants en particulier. Ils ne comprennent pas pourquoi tout d'un coup leur père est décédé. Ce braquage est très exceptionnel sur la place parisienne. Sur les quelques années que j'ai pu faire à la BRB, on n'a quand même jamais eu d'homicide de bijoutier. On a des braquages violents, des gens qui sont traumatisés, mais jamais de mort. Ce qu'on remarque à l'entrée de la bijouterie, on a la porte, elle est commandée de l'intérieur. Ça veut dire que le bijoutier, s'il se sent menacé, il ne va pas ouvrir, il ne va pas actionner l'ouverture de la porte. La vitrine n'est pas totalement achalandée avec les montres qui se trouvent dans une boîte, prêtes à être disposées. Ça donne franchement l'impression que l'auteur est venu perturber la mise en place à l'ouverture du magasin. Pas de désordre dans la boutique. C'est dans la salle des coffres que le crime a eu lieu. Une pièce qui est toute petite, qui fait 2 mètres sur 2, le corps qui est en diagonale, si bien qu'on ne peut même pas rentrer à 2 enquêteurs dans cette pièce-là. On a vraiment cette impression d'une victime qui a été abattue, visiblement de sang-froid. Une déduction que l'autopsie confirme.
Le médecin ne constate aucune lésion de défense. Il n'y a pas eu d'empoignade. Par contre, on a sur le dos une marque qui pourrait correspondre à un coup donné avec une crosse d'une arme à poing. Dominique Sergenou, il a été... exécuté, Christophe. C'est une exécution. Il a reçu 3 balles dans la tête. Une au-dessus de la tempe gauche, les 2 autres en haut de la nuque, exactement à l'emplacement du cervelet. Les 3 balles sont extraites du corps. Ce sont des balles de calibre 22 long rifle qui ont toutes été tirées par la même arme. Il n'y a pas de trace de tatouage, de poudre brûlée sur la peau, ce qui veut dire que ce n'est pas un tir à bout touchant. Pour l'expert, le canon de l'arme se trouvait au moins à 30 cm de la tête du bijoutier. Quel est le scénario qui se dessine quand on analyse la trajectoire des balles et quand on a recours à la morpho-analyse, c'est-à-dire l'analyse de la projection des taches de sang? Alors, le meurtre a lieu dans l'arrière-boutique du bijoutier. Il est allongé sur le ventre, la partie droite du visage, la joue droite posée sur le sol. Il a les mains sous son corps et il a dans le dos une ecchymose en forme de crosse, ce qui veut dire que le tueur l'a frappé dans le dos. Sans doute pour l'obliger à se mettre à genoux. Absolument. Et une fois qu'il était à genoux, il reçoit la première balle dans la tempe gauche. Et l'analyse, la morpho-analyse des traces et des coulures de sang sur le mur, on observe que ces traces sont à 20 cm du sol, exactement dans le prolongement de la balle qu'il a reçue dans la tête. Et là, le tueur lui tire 2 dernières balles dans la tête. Des étuis sont retrouvés sur place ? Aucun. C'est du travail propre. La femme de Serge Zénou explique que son mari avait déjà été braqué quand il tenait une bijouterie en banlieue parisienne. En Seine-Saint-Denis, M. Zénou a fait l'objet de plusieurs attaques, dont la dernière était ultra-violente. Et c'est là où, une fois même, il a été enlevé par les braqueurs. Donc, c'est à l'issue de ce choc qu'il était obligé de déménager à Paris dans cette bijouterie du 17e. 3 semaines avant le crime, rebelote. Madame Zénou se trouvait seule dans la boutique quand 4 hommes armés ont fait irruption. Ils l'ont aspergé de gaz lacrymogène et ils ont volé une partie de la marchandise. Monsieur Zénou vivait dans un stress permanent. Il disait à sa femme, il disait à son fils que s'il y a un éventuel braquage, surtout ne résistez pas. Le plus important, c'est votre vie. Aucune caméra de surveillance n'a pourtant été installée dans la boutique. Et personne n'a rien vu dans le quartier. Du coup, les policiers s'accrochent au mince fil que Madame Zénou leur donne. La dernière fois qu'elle a parlé à son mari, c'était au téléphone, à 12h10, 2h30 avant de découvrir sa mort. Son mari lui a dit qu'il a eu un retard pour faire la vitrine en raison d'une personne mystérieuse, d'un client qui est venu pour lui proposer une bague qu'il n'a pas achetée. Monsieur Zénou parle à sa femme de ce client comme un homme de très forte corpulence qui rencontrait des problèmes financiers et professionnels. Il le décrit comme quelqu'un de très bavard qui lui a tenu la jambe et même retardé dans son travail. L'intérêt va être là, c'était de l'identifier pour l'entendre. On se dit, c'est probablement la dernière personne qui a vu la victime en vie. Parce que peut-être qu'en repartant, cette personne a croisé l'auteur du meurtre. C'est un témoin pour nous. Madame Zénou se souvient que ce mystérieux client s'était déjà présenté au magasin la veille pour vendre une bague à son mari. Une bague qu'elle remet aux policiers. Elle a même un nom à leur donner. Usan. Les policiers passent le nom au fichier et bingo, pas Blanc, Usan. Et là, on va retrouver effectivement une personne qui correspond à la fois au nom et à la fois à la corpulence. C'est un nommé Patrice Usan. 41 ans, sans emploi, connu des services de police, vol à l'étalage, recel, escroquerie, travail clandestin. C'est un petit reseller de bas quartier qui fait des petits coups à 2,50 francs.
C'est quelqu'un qui a déjà un petit palmarès, parce qu'on a quelqu'un qui visiblement récupère des bijoux pour les revendre à des bijoutiers. Pour nous, c'est intéressant. Les policiers le convoquent donc, ce Patrice Usan. Une fois. Deux fois. Pas de réponse. Et ça, c'est jamais bon signe. Une audition comme témoin, tout le monde doit pouvoir y répondre. Est-ce qu'il a quelque chose à cacher? Est-ce qu'il a vu mais ne veut pas dire? Je ne sais pas. Du coup, hop, écoute téléphonique et filature. Il est pas tôt dans sa démarche. Il ne se déplace qu'à scooter. Sa corpulence est tellement forte, franchement, ça me fait penser à un crapaud sur une boîte d'allumettes. Et il a une voix toute fluette, genre qui colle pas du tout avec le personnage. On l'a en tête, il va falloir qu'à un moment donné, on puisse l'entendre, mais c'est absolument pas une piste majeure pour nous. On a d'autres choses à traiter avant, d'autres pistes. Mais en tout cas, c'est pas pour nous, dans notre tête, ce n'est pas du tout l'auteur. En attendant qu'Usan se manifeste, ou de savoir pourquoi il fait le mort, les policiers font appel à la presse. La police lance un appel à témoins après le meurtre d'un bijoutier boulevard des Batignolles. Si vous avez vu quelque chose, vous devez appeler au 01 45 44. Et quelques jours plus tard, deux appels anonymes qui nous donnent le même nom et le même prénom. Le corbeau dénonce un homme de 27 ans qui se vante d'avoir tué Serge Zénou. Tout d'un coup, on est dans le concret. C'est quelqu'un qui est connu pour des faits de vol à main armée. Donc quelqu'un qui a déjà cette expérience, qui a déjà cette expérience de la violence. C'est un profil qui peut tout à fait coller avec ce qu'on recherche. Le type est en tôle, mais le jour du braquage, il était en permission. Et ce jour-là, le téléphone donne ses potes à borner près de la bijouterie. Ça colle. Là, un téléphone en prison, comme nombre de détenus aujourd'hui. On va donc demander l'interception de cette ligne et pouvoir étudier ses éventuels contacts. Les policiers profitent aussi d'une perme de sortie de 48 heures pour lui coller au basque. Il est très peu actif, il va rester énormément chez lui ou chez un copain. Il a une forte propension à boire énormément d'alcool. Il mène une vie de jeune désœuvré, c'est d'une banalité terrible. Mais ce qui saute surtout aux yeux, assez rapidement, c'est qu'il a vraiment le profil de quelqu'un qui est mythomane. Tous ses interlocuteurs, il va mentir. Il va mentir où il est, il va le mentir sur ce qu'il fait, il va le mentir sur ce qu'il a prévu. Il vit perpétuellement dans le mensonge. Ma conviction, c'est qu'il n'a rien à voir avec cette affaire. On se dit qu'il s'est peut-être vanté de cet homicide, surtout pour paraître intéressant aux yeux des voyous peut-être qui l'entourent. Du coup, ça a beaucoup moins d'intérêt pour nous. La BRB tourne en rond. Dominique, la BRB tourne un peu en rond, mais pas les bras croisés. Et la piste Usan, en fait, redevient d'actualité quand sa géolocalisation tombe sur le bureau des policiers et du juge. Bah oui, parce que franchement, Patrice Usan, il n'a pas le profil quand on le voit. Mais quand on étudie sa téléphonie, là, ça change. Alors, le 12 avril 2011, le téléphone de Patrice Usan borne dans le secteur de la bijouterie. Logique, entre 13h21 et 13h42, il est venu vendre une bague au bijoutier. En revanche, le lendemain, 13 avril, jour du meurtre, le téléphone de Patrice Usan est coupé. Et ça, c'est pas dans ses habitudes. Fin d'après-midi, le 13, le téléphone est à nouveau en marche et il borne près du domicile de la compagne de Patrice Usan. Il y reste jusqu'au 16 avril, quasiment trois jours. Le 16 avril, en fin de journée, le téléphone se déplace vers le nord de la France et le 17 avril, il est en Belgique. Et les policiers se disent, et s'il était allé vendre des bijoux volés? Ben oui, parce que la Belgique, évidemment, est très active en matière de vente de bijoux et les malfaiteurs peuvent sans doute y écouler facilement leurs marchandises. Les policiers s'intéressent aussi à la téléphonie de sa compagne. Le jour du crime, elle a essayé de joindre Patrice Usan à 9 reprises. Elle est tombée 9 fois sur son répondeur téléphonique. Et à 10h29, elle a reçu un coup de fil passé d'une cabine téléphonique parisienne du 9e arrondissement avec une carte prépayée. Les policiers se disent, c'est Patrice Usan
qui a essayé de l'appeler. C'est obligatoire. Mmh. Et le 17, le téléphone de sa copine borne en Belgique. Qu'est-ce que se disent les flics? Bah, est-ce qu'elle est dans le coup? Évidemment. D'où l'urgence, en fait, à entendre rapidement Usan. Oui, exactement. Et le 12 janvier 2012, la BRB débarque chez Usan, au pavillon Sous-Bois, et on le place en garde à vue. On lui explique rapidement qu'on va commencer une perquisition. Et donc là, il va nous dire, il n'y a pas de problème. Juste sachez que j'ai une arme dans mon armoire. On va découvrir une arme. Un chargeur avec des munitions engagées dans le pistolet. L'arme est prête à servir. Il s'agit d'une arme 22 long rifle, du même calibre qui a été utilisée pour tuer Serge Zeno. Qu'est-ce qu'on trouve à côté? Un silencieux. C'est la première fois de ma vie, de flic, que je voyais un silencieux. Avoir un silencieux, c'est quand même quelque chose de très particulier. Si on ne veut pas faire de bruit, c'est qu'il y a une volonté de tuer. Les policiers retrouvent aussi deux boîtes avec 94 cartouches du même calibre. Je me dis, il va falloir qu'il nous parle, qu'il réponde à des questions. Je vais lui offrir un café, je vais lui proposer une cigarette. J'essaie de rendre le moment, on va dire, humain. Je le mets clairement à l'aise, de telle manière à ce qu'il ait envie de, au moins, de communiquer. Et pour commencer, vous connaissez Serge Zeno? J'avoue que je le sens gêné à partir du moment où on aborde les questions sur Monsieur Zeno et sur la bijouterie. Patrice Usan reconnaît le bijoutier. Il admet qu'il a essayé un jour de lui vendre une bague. Mais quand le policier lui demande s'il est retourné dans cette bijouterie, c'est non, non, jamais. On sait qu'il ment sur ces deux points. On sait qu'il a vendu la bague parce que Madame Zeno nous l'a remise. On sait qu'il est venu le jour de la commission des faits parce que Madame Zeno nous l'a répété. Pourquoi est-ce qu'il ment sur des choses mineures? On ne lui a pas demandé s'il a tué la victime. C'est pas ça qu'on lui demande. C'est suspect. La première audition se termine dans la nuit et le résultat n'est pas brillant. Alors le lendemain, les policiers changent de braquet. L'arme qu'on a retrouvée chez vous, elle vient d'où? Pourquoi vous l'avez achetée? Elle sert à quoi? Patrice Usan va essayer de minimiser la détention de cette arme, va nous expliquer qu'il l'avait achetée il y a quelque temps à une personne parce qu'il trouvait cette arme petite, mignonne. On avait l'impression qu'il venait d'acheter une peluche. Il nous dit qu'il n'a absolument aucun intérêt pour les armes de façon générale, qu'il n'a jamais tiré, où que ce soit, ni en club sportif, qu'il n'a jamais acquis d'autres armes. Le problème, c'est qu'entre-temps, mes collègues sont partis faire une perquisition chez son ex-conjointe en banlieue parisienne, dans laquelle ils vont découvrir une centaine de munitions. Et elle va leur raconter que Patrice Usan était un fan d'armes et qu'il faisait du tir de temps à autre. Donc là encore, on a un mensonge, ce qui est beaucoup plus prégnant, si je puis dire. Patrice Usan se renferme sur lui-même, il s'énerve, il commence à perdre patience. Le climat commence à vraiment devenir glacial entre lui et moi, mais je continue à attaquer. À 18h, au deuxième jour de garde à vue, les résultats de l'expertise balistique tombent. Là, c'est la bombe atomique qui vient de tomber. La bombe atomique, c'est l'arme du crime. On a enfin un élément à charge. On a enfin un élément à charge. On va passer à la vitesse supérieure. On pourrait comparer à un combat de boxe, il est coincé, il se prend uppercut sur uppercut, mais il ne sait pas réagir,
On a quelqu'un qui est fermé, qui nie. Non, 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 mais c'est pas moi. Non, mais c'est pas moi. Il est complètement bloqué, complètement tétanisé par cette révélation. Usan résiste encore, malgré l'expertise balistique. Il nous reste une douzaine d'heures de garde à vue. Donc on est déjà quand même bien fatigués, tous éreintés. Dans une affaire criminelle, le Graal, c'est les aveux. On n'a aucun doute sur le fait qu'il l'ait tué, mais c'est impossible d'avancer à quelqu'un qui veut nier l'évidence. Le lendemain matin, les policiers n'ont plus que deux heures devant eux pour obtenir des aveux. Et là, Usan s'affaisse. Enfin. Il nous dit, je vais reconnaître les faits, j'en peux plus. Il faut que je me soulage, il faut que je vous parle. On est tous abasourdis. Il y a un silence, mais glacial, qui s'installe dans le bureau. On peut entendre une mouche voler. On entend juste les bruits du clavier. Et là, il va parler d'un flot, ininterrompu. Il s'est rendu dans la bijouterie la veille du meurtre. Il a vendu une bague à Serge Zénou. Il a remarqué qu'il n'y avait pas de caméra. Alors, il a décidé de revenir le lendemain. Il aurait sorti son arme, braqué Serge Zénou, se serait fait ouvrir les coffres. Et il avait peur. Autant que Serge Zénou, paraît-il. Zénou se serait emparé de l'arme et à ce moment-là, des coups seraient partis. On s'est débattu. Je ne sais pas combien de fois j'ai tiré. Mais en aucun cas, il ne voulait le tuer. Les coups de feu sont pour lui totalement accidentels. Les policiers ont leurs aveux à quelques minutes de la fin de la garde à vue. Il nous dit qu'il est rongé par la culpabilité, qu'il ne vit plus depuis plusieurs mois parce qu'il a tout ça en tête. Il nous fait ses aveux, entre guillemets, pour se soulager. On a obtenu ce qu'on a voulu, mais c'est une victoire à demi acquise pour moi. Le tir accidentel ne tient pas la route. Patrice Usan a été obligé de tuer Serge Zénou parce que Serge Zénou l'avait vu et parce qu'il lui avait laissé son identité. Dominique, le 14 janvier 2012, Usan est mis en examen pour le meurtre de Serge Zénou. Alors évidemment, dans une instruction qui est à charge et à décharge, on doit vérifier si la thèse du tir accidentel tient. Oui. Que disent les constatations ? Dans la version Usan, on se bagarre, les coups de feu partent accidentellement, c'est des tirs désordonnés, il y en a partout. Mmh. Or là, les balles, elles sont groupées dans la tête du bijoutier, dont deux qui sont dans un espace gros comme une pièce d'un euro. Dernière chose, la position du corps quand on le retrouve. Mmh. Il est allongé sur le ventre, face contre terre, et ses deux mains sont glissées sous son corps. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui est mort et qui a pris des balles dans une bagarre. Que disent les balisticiens ? Est-ce que les coups ont pu partir tout seuls ? Ça serait possible si l'arme était défectueuse, c'est pas le cas. L'arme, elle est en parfait état. Les balisticiens vont s'intéresser à la pression sur la queue de détente, d'accord ? La pression qu'on exerce avec le doigt pour appuyer sur la queue de détente. Deux cas de figure. Soit l'arme a fonctionné en simple action, soit elle a fonctionné en double action. Je vous explique. La simple action, c'est je relève le chien de l'arme, j'appuie, le chien retombe. Une seule action. La double action, c'est le chien est abaissé, j'appuie, il se soulève, je continue à appuyer, il retombe. Ça, c'est la double action. Eh bien, l'arme de M. Usan, en simple action, il faut 2,1 kg de pression pour faire retomber le chien. En double action, il faut 5 kg de pression pour faire monter le chien et le faire retomber. Je vous assure que 5 kg de pression sur la queue de détente d'une arme, il faut vraiment vouloir le faire. Ça ne peut pas être un accident. L'arme a parlé pour lui, en fait. Elle a parlé pour lui et elle va raconter encore autre chose. Parce que cette arme, elle a servi à un crime. Donc elle est versée dans un fichier qui s'appelle le fichier cible, comparaison, identification balistique par localisation des empreintes. On donne toute la signature balistique de l'arme et là, le fichier cible dit « Mais moi, je la connais, cette arme. Elle a déjà servi. » Et vous savez où elle a servi ? Elle a servi sur le double meurtre d'un couple de retraités, 3 mois plus tôt. De nous s'empare une joie incommensurable. J'en avais presque les larmes aux yeux. Maintenant, à nous de trouver
quel est le lien entre le propriétaire de cette arme, Patrice Usan, et notre couple de retraités. Un an après le drame, les gendarmes retournent donc chez les Hic à Saint-Vitz pour fouiller la maison de fond en comble. Et tout y passe. Les photos, les courriers, la paperasse. On lit tout ce qui nous tombe sous les yeux, on ouvre tout et on épluche tout. Et tout à coup, là, en tout petit, sur une vieille facture de cuisine, un coup de tampon au bas d'une page et un nom, celui du poseur. Patrice Usan leur a posé une cuisine. C'est bon, le voilà le lien. Mais ça ne suffit pas. Poser une cuisine, ça ne veut pas dire qu'il est revenu les tuer. C'est la téléphonie qui, une fois de plus, va trahir le bonhomme. Le 21 janvier 2011, le jour du double meurtre, son téléphone borne chez lui, du matin au soir. Ce qui ne lui arrive jamais. Contrairement au jour précédent, il n'y a aucune activité sur le téléphone de Patrice Usan. Pas d'appel, pas de SMS, aucune consultation. Ça nous interpelle. On se dit que le criminel a laissé son téléphone à son domicile pour pouvoir se construire l'alibi qui convient. Du nouveau, dans l'affaire du couple de retraités tué par balle en janvier 2011 à Saint-Vitz dans le Val d'Oise, un homme a été placé en garde à vue. Quand je vais le chercher dans sa cellule, il n'est pas nerveux, il laisse rien transparaître. C'est quelqu'un de froid et très sûr de lui. Il attend de voir véritablement ce qu'on a dans le dossier. Et les gendarmes se gardent bien de le lui dire. Pour le laisser venir, mentir ou se tromper. On va lui parler de son activité de cuisiniste, de ses différents chantiers. Christiane et Michel Hic, ça vous dit quelque chose ? Des clients à vous ? Il dit ne pas les connaître, il ne se souvient de rien. Mais c'est pourtant bien votre nom sur cette facture. Mais non. Les Hic, ça ne lui dit rien. On sait qu'il nous ment parce qu'il veut surtout pas nous dire qu'il est venu chez les Hic. Ce deuxième jour d'audition, on va changer de rythme. On va y aller crescendo. On le bombarde de questions. On l'interroge de manière incessante. Êtes-vous allé à Saint-Vitz le 21 janvier 2011 ? Ne vous êtes-vous jamais rendu chez les Hic le 21 janvier 2011 ? Le 21 janvier 2011, avez-vous eu une dispute avec les Hic ? Ils s'enferment dans un mutisme total. C'est le moment d'abattre l'atout maître, la preuve par l'arme. On s'y attend absolument pas, mais immédiatement, il commence à nous expliquer la scène. Je suis allé, le 21 janvier 2011, à Saint-Vitz pour braquer monsieur et madame Hic. Il explique qu'il était cagoulé. Il a braqué le couple Hic qu'il a emmené dans la cuisine. Il va y avoir un accrochage, une bagarre avec monsieur Hic qui va réussir à lui retirer sa cagoule et qui, bah, forcément, le reconnaît. Oui, je me suis fait remettre les bijoux de madame Hic ainsi que les cartes bleues de monsieur Hic. Il monte à l'étage avec monsieur Hic pour tenter de récupérer de l'argent liquide. Il n'a pas voulu me le remettre. Nous sommes redescendus. Pour l'instant, stop. Patrice Usan interrompt brusquement son récit. La bascule est faite. Il est posé sur la scène de crime. Pour nous, la partie est quasi gagnée. On le tient. Ça y est, il va y venir. Les gendarmes sont suspendus à ses lèvres, mais Usan reste là. Il finit par nous dire que il est sorti du domicile et il est retourné à son fourgon, qu'il n'a pas entendu de détonation, mais en tout cas pour lui, quand il a quitté le domicile, les Hic étaient toujours vivants. Au bout de 10 minutes, seul dans son fourgon, Usan a pris la route, sans le butin et sans l'arme.
quelqu'un lui a rapporté le pistolet 7 mois plus tard. Quelqu'un ? Ah ouais. Il nous laisse entendre la possibilité qu'il était accompagné d'un individu qui, lui, a fait le sale boulot. Un complice dont Patrice Usan ne dit strictement rien. Bien entendu, nous ne le croyons pas. Pour nous, il était seul au moment des faits. Il est l'auteur du double homicide. Comme avec les policiers, Usan est allé au bout de sa garde à vue. Après 47 heures et 45 minutes, retour en cellule. On n'est pas arrivé à le faire craquer. Il ne veut pas reconnaître avoir appuyé sur la détente et d'avoir abattu froidement ce couple de retraités. Et de trois. Le 16 mars 2012, Patrice Usan est mis en examen pour les meurtres de Christiane et Michel Hic. Mais devant le juge, il garde la même ligne. C'est pas moi. Je ne vous donnerai pas le nom de mon complice. Il a gardé le butin, c'est un type expérimenté qui pourrait se venger si je le balance. Quant au bijoutier, c'est pas moi non plus. Usan revient donc sur ses aveux. Un drôle de type. Il est né le 24 mai 1970 en Seine-Saint-Denis, où il a grandi avec ses parents, tous les deux coiffeurs. Lui-même, il a commencé ses activités professionnelles en tant que coiffeur avant de changer beaucoup de métiers. Gérant de snack, loueur de bateaux, vendeur au marché. Il a fait différents petits boulots dans le BTP, puis est devenu cuisiniste. Quoi qu'il ait tenté dans la vie, il a fini par tout louper. Au moment de son arrestation, Patrice Usan est encore sans emploi. Il vivote de petits boulots en petits recels. C'est quelqu'un qui, on peut imaginer, vit dans une frustration la plus totale. Ses proches dressent le portrait d'un homme gentil, sympa, mais aussi solitaire et menteur. Un gars fragile qui a menacé plusieurs fois de se suicider, mais de là à tuer, ou plutôt exécuter 3 personnes de 3 balles dans la tête, impossible. Alors le profil de M. Usan ne laisse effectivement pas trop à penser qu'il puisse devenir un tueur en série. C'est toujours difficile pour nous d'imaginer le petit receleur qu'on voyait déambuler sur son scooter lors de nos surveillances avoir tué ces 3 personnes. 2 braquages, 2 fois dans le 1000. Ce serait bien la première fois qu'Usan irait au bout d'une entreprise tout seul. On finit par se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un complice qui nous est caché dans cette histoire ? Quelqu'un qui tirerait les ficelles et pour lequel Usan aurait commis tous ces crimes. Les policiers ont relevé 2 ADN sur l'arme, le sien et celui de sa compagne qu'il place aussi en garde à vue. Elle va finir par reconnaître qu'elle a touché l'arme du crime qu'elle avait vue chez Patrice Usan, mais il ne lui aurait jamais parlé d'aucun meurtre. On n'a aucun élément qui nous amène à penser qu'elle connaît la vérité. On s'est vu dans l'obligation de devoir la relâcher. Mais les policiers creusent aussi du côté d'un appel étrange qu'Usan a passé à minuit 46 le soir du meurtre du bijoutier. C'est la première personne qui l'appelle après avoir rallumé son téléphone. Là. Donc après les faits... Un appel à minuit 46 alors qu'il vient de commettre un meurtre le matin même, est-ce que c'est pour refourguer les bijoux ? Est-ce que c'est pour lui rendre compte de ce qui s'est passé le matin ? Est-ce que c'est pour savoir où il se trouve ? Les policiers remontent l'appel et là, ça devient intéressant. Usan a téléphoné à un ancien tolard, condamné pour vol à main armée, séquestration et tentative d'homicide. Il est plus intéressant à bien des égards que Patrice Usan en qualité de braqueur. Genre il est plus violent, il est déjà monté au braco. On a l'impression, quand on travaille cette personne-là, qu'on se rapproche du complice. Le complice ou le commanditaire ?
Le 13 juin 2012, la police lui tombe dessus. Pour la première fois de l'enquête, les policiers ont affaire à un type qui a une certaine étoffe. Mais pas de bol, le soir des faits, c'est sous une autre casquette que le braqueur receleur a causé avec Usan. Ce soir-là, il était agent immobilier. Et Usan l'a appelé pour parler location. Il voulait négocier le loyer d'un snack. Le gars repasse la porte de la BRB libre. Retour à la case Usan. Il y a une certaine frustration qui s'installe en nous devant le fait de ne pas trouver de complice. C'est difficile à croire quand on étudie le personnage, mais on ne peut pas exclure qu'il ait agi réellement seul. Deux cambriolages et trois exécutions tout seul. L'hypothèse a beaucoup de mal à passer. Le juge d'instruction me demande est-ce que sa personnalité est compatible avec quelqu'un qui a commis déjà trois meurtres. C'est au palais de justice de Paris que la psychologue rencontre Patrice Usan pour la première fois, le 4 février 2015. Patrice Usan présente des traits cachés qui sont révélés par les tests que je lui ai fait passer et qui montrent une forte agressivité. On sent bien que ça bouillonne à l'intérieur. Il se plaint tout le long de l'expertise d'avoir tout raté. Effectivement, il se débrouille pour que toutes ses actions échouent. Un homme en situation d'échec qui le sait et qui en souffre. On voit bien que derrière cette plainte, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de frustration par rapport à une vie qu'il trouve déprimante. Et du coup, dans un passage à l'acte comme ça, il tend à essayer d'être maître de son destin en tuant l'autre. Une frustration dont la psychologue décèle l'origine au-delà des échecs professionnels, comme souvent, dans l'enfance d'Usan. Derrière son côté débonnaire, un peu plat, il y a quelqu'un de profondément blessé par une enfance où il ne s'est pas senti soutenu, étayé, peut-être aimé. Dans une expertise psychiatrique précédente, il a dit que son père était violent. Son père n'a pas été un très bon père. Il recevait souvent de bonnes raclées. Il fonctionne comme un adolescent. En révolte contre la loi, contre les limites, parce qu'il a dû être frappé à chaque fois qu'il faisait une connerie. Je me suis demandé en l'écoutant si à chaque fois, c'était pas un petit peu le meurtre de son père qu'il cherchait à provoquer de cette façon-là. Ces aspects refoulés de son caractère sont compatibles avec les faits qui lui sont reprochés, c'est-à-dire d'avoir tué trois personnes. Ce qui nous scotche littéralement, c'est que quelqu'un qu'on pourrait qualifier de lambda, de banal, un petit receleur sans grande envergure, puisse avoir tué trois personnes, sans complice, sans aucune aide, de ses propres mains. On est persuadés, tous, qu'on a eu affaire à un tueur en série. Si on ne l'avait pas arrêté, il aurait continué. Deux procès attendent maintenant Patrice Usan. Le 29 février 2016, devant la cour d'assises de Paris pour le meurtre de Serge Zénou, et trois mois plus tard, le 17 mai, devant celle de Pontoise pour le meurtre de Christiane et Michel Hic. Reste à savoir si l'accusé va enfin se mettre à table. L'assistance découvre l'arrivée de M. Usan dans le box, taciturne, le visage inexpressif, et regardait personne. La famille Zénou appréhende ce procès. Ce qui est le plus difficile pour mes clients, c'est de voir en face M. Usan, le tueur de leur père. Vont-ils avoir une réponse à leurs questions.
vont-ils savoir réellement que s'est-il passé au moment des faits ? Mais la famille n'aura pas de réponse. Usan reste dans le déni. Le meurtre du bijoutier, c'est pas lui. Il serait venu pour faire un repérage des lieux et c'est un autre personnage qui aurait commis ce crime. Quelqu'un qui fait partie de la communauté du voyage, un dénommé Titi, qui lui aurait donné 250 grammes d'or pour voir s'il y avait ou pas des caméras au sein de cette bijouterie. Quant à l'arme retrouvée chez lui, Titi lui aurait donné l'arme du crime pour lui cacher chez lui à la maison parce qu'il partait en vacances. Donc la réaction est dans la salle, les murmures. Monsieur Usan se moque de tout le monde. C'était un fantôme. C'était un peu le Titi dans le noir. L'accusé tape sur les nerfs de tout le monde, son avocat et les parties civiles. Monsieur Usan a menti durant tout ce procès. Il n'a jamais exprimé un regret ou un sentiment de compassion vis-à-vis de la famille de la victime. Le 3 mars 2016, Patrice Usan est condamné à 22 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Serge Zénou. Trois mois plus tard, lors de son procès pour le double meurtre de Saint-Vitz, c'est le retour du fameux Titi. Patrice Usan indique à la présidente « Je vais vous dire toute la vérité, je vais vous raconter ce qui s'est passé. » C'est là qu'on a une nouvelle version, à savoir qu'il nie être allé au domicile du couple Hic ce jour-là, simplement qu'il aurait donné des informations à ce fameux complice qu'il surnomme Titi. Il s'écarte complètement des faits, il s'écarte complètement de la scène de crime. C'est un moyen de défense. Mais il en avait déjà trop dit. Il avait dit qu'il était allé. Il avait décrit les bijoux qu'il a ôtés de Madame Hic alors qu'elle était toujours vivante. Donc, physiquement, il était présent au moment des faits. Il y était. Quand j'ai pris la parole, je me suis opposé à la défense qui, au cours du procès, avait laissé entendre qu'on ne devient pas tueur en série à cet âge-là, à 42 ans, 43 ans, l'âge qu'avait M. Usan. Il n'y a pas d'âge pour commencer des crimes de cette nature. Et donc, ce n'est pas ça qui nous intéressait. C'était de savoir ce qui s'était réellement passé. Et là, on n'a jamais eu de réponse. Usan s'entête. Et il essaie même de manipuler les victimes. Il y avait l'une des petites filles du couple Hic, une jeune adolescente. Il la regarde et lui dit « Ce n'est pas moi qui ai tué tes grands-parents, c'est Titi. » C'est toujours quelque chose de très délicat quand les accusés s'adressent directement aux victimes. Mais là, en plus, pour raconter n'importe quoi, très sincèrement, c'est un comportement inacceptable qui a entraîné une grosse souffrance. À la fin de son interrogatoire, il a compris qu'il avait été acculé avec tous les témoignages. Là, il a explosé en disant « Bravo la justice, mettez-moi perpète, laissez-moi mourir en prison. » Et l'avocate générale va lui donner satisfaction. Elle demande à la cour la perpétuité pour Patrice Usan. Les deux avocates de la défense ont donc pris la parole à tour de rôle. La première a sollicité de la cour et des jurés d'acquitter M. Patrice Usan en indiquant qu'on n'avait pas suffisamment de preuves. La seconde avocate a dit à la cour de ne le juger que comme étant un complice de ce fameux Titi et qu'il fallait donc, en conséquence, le condamner à une peine beaucoup moins lourde que ce qui était requis par Madame l'avocate générale. Peine perdue, le 20 mai 2016, Patrice Usan est condamné à la prison à perpétuité avec 20 ans de sûreté. C'était un grand soulagement qu'il soit déclaré coupable, même si on aurait préféré que ce soit la qualification d'assassinat qui soit retenue. Patrice Usan fait appel des deux condamnations. Son troisième procès s'ouvre donc à Évry, le 28 mars 2017, pour le meurtre de Serge Zénou. Cette fois, il va peut-être changer de posture. Il a peut-être compris.
J'ai trouvé l'ambiance de cette cour d'assises exécrable. Très lourde, très difficile. Usant était haineux, il fuyait ses responsabilités. Ou il ne voulait pas parler, ou il voulait quitter la salle d'audience. Ses avocats tentent de le défendre en disant que ses aveux lui auraient été extorqués au cours de son interrogatoire. Qu'il aurait été brutalisé, violenté, il y a une certaine pression qui pesait sur lui. On a passé le procès à entendre des critiques sur les méthodes employées par les policiers. Donc tout tournait autour de ça. Pour la défense, la vraie victime, c'est Usant. Je ne suis pas surpris en fait. Lorsque la cause est indéfendable sur le fond, les avocats essaient d'attaquer sur la forme. Juste ruiner l'enquête et dire qu'on n'est pas des policiers compétents, que l'enquête s'est faite n'importe comment. J'avais toute confiance dans leur méthode et j'ai insisté pour que cette audition soit visionnée. On voit bien dans cette audition Patrice Usant qui nous avoue avoir tué Serge Zénou accidentellement, qui reconnaît les faits de façon tout à fait naturelle. Tout le monde, les avocats, le public et surtout les jurés ont pu se rendre compte que M. Usant n'avait en aucun cas été maltraité par la police lorsqu'il avait fait ses aveux. Et ça a été un point terrible contre les avocats de la défense. Plus grave encore, l'avocat général remet en question l'accusation de meurtre. Je me suis rendu compte qu'il y avait tous les éléments de preuve nécessaires pour établir une préméditation. On peut cambrioler, on peut donner un coup de poing et partir avec la caisse. On peut avoir une arme et s'en servir uniquement pour menacer. S'il avait eu simplement l'idée ou le projet de voler des bijoux à M. Zénou, il n'était pas obligé d'aller chez lui avec un 22 long rifle et surtout avec un silencieux. Alors que Patrice Usant se dit innocent et plaide l'acquittement, l'avocat général requiert une peine plus lourde. Il avait pris 22 ans pour le meurtre du bijoutier. Elle demande 30 ans avec des années de sûreté. Quand la sévérité s'impose, je n'hésite pas. Vous êtes dangereux pour la société. Vous avez tué 3 personnes en 3 mois. Pourquoi est-ce que vous ne continueriez pas ? C'est notre devoir d'exclure la reproduction de ce genre de crime, de l'exclure de la société. Et le 31 mars 2007, le verdict tombe. L'avocat général a été entendu, la préméditation retenue. 30 ans, 30 ans de réclusion criminelle. Il n'y aura pas de quatrième procès. Un mois après le procès d'Evry, Usant se désiste de son deuxième appel pour le double meurtre de Saint-Vitz. Si les parties civiles attendaient des aveux, c'est raté.